Je suis médecin de campagne et je voulais vous dire comment ce métier est passionnant. Nous avons donc réalisé un petit clip vidéo avec des témoignages d'internes, des témoignages de médecins, des témoignages d'élus aussi, qui font tout pour nous faciliter la vie, pour que notre environnement soit propice pour notre travail, pour vous montrer comment il est agréable de travailler chez nous dans les Alpes-de-Haute-Provence. Alors, chers consoeurs, chers confrères, venez, venez, ne serait-ce que pour le temps d'un stage, venez voir comment on y exerce dans ce beau pays. Globalement, la plupart des gens, ce n'est pas des représentations très positives. Hein. Tous les gens, d'ailleurs, les internes se disent juste qu'ils veulent rester à Marseille, où ça bouge, où il se passe des choses. Et... Moi, j'étais attirée par la campagne parce que Nico Tchépek m'a donné le goût à ça et que vraiment, j'ai découvert ce que je préférais en médecine avec lui là-haut. Franchement, ça, c'était génial. Professionnellement, c'était génial. Moi, je suis un pur citadin de base. Hein. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai fait toutes mes études à Paris puis à Marseille. J'aime la ville, j'y suis bien quand j'y suis, j'y ai grandi, j'y ai mes repères. J'avais envie de voir en fait, je me suis dit c'est le bon moment dans ma vie, je suis interne, c'est une nouvelle expérience tous les 6 mois, ça dure 6 mois, si ça me plaît pas, bah, c'est pas grave, c'est que 6 mois. Et en fait ça m'a vachement plu. À la fois le cadre et à la fois l'activité. Ça m'a tellement plu d'ailleurs que ce médecin est devenu un ami, mon directeur de thèse, et je suis devenu son successeur. Ce qu'il va falloir qu'on insiste, c'est le côté haute qualité environnementale de la maison de santé. Ce qu'on veut, c'est apporter du service aux habitants, apporter aussi des conditions de travail attractives pour les professionnels de santé qui vont s'installer. Faire quelque chose de très accessible, c'est important. Et la qualité de vie avec des enfants à la campagne? Ah, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que... Alors, moi qui suis un pur citadin de base, la vie est plus simple. On ne s'est jamais posé la question de savoir si on allait avoir une place en crèche, par exemple. Parce qu'il y a une crèche intercommunale. Et en fait, il y a toujours des places de libre. Tout me semble plus simple de ce point de vue-là. On court beaucoup moins que mes parents ont pu courir en ville, que mes amis qui habitent Marseille ou Paris courent tout le temps entre le boulot, la crèche, l'école. Nous, on a des circuits plus courts. Ah, mais je pense qu'on est au moins aussi bien soigné que dans une grande ville. Hein. Et même ici, on garde toujours l'échelle humaine hein, qui est primordiale. On se connaît très très bien, donc automatiquement, vous appelez votre confrère, vous avez tel ou tel souci... Et il embraye, ça va très très vite, ça va très très vite. Ouais. Aujourd'hui, nos jeunes médecins veulent aussi avoir une qualité de vie, et ça s'entend. D'où l'avantage de l'exercice coordonné, des maisons de santé, etc., où on est plusieurs, et où on peut, je sais pas, moi, travailler 3 jours, se reposer 3 jours, etc. On peut, enfin, après, ça c'est à chacun de s'organiser. Qu'est-ce que j'aime dans un petit hôpital et en particulier à Digne? Bah, c'est un peu l'esprit de famille, c'est des petites équipes. On n'est pas beaucoup, mais du coup, peut-être qu'on se serre un peu plus les coudes. L'ambiance est toujours un peu plus détendue, moins professorale qu'au CHU. Donc je suis content d'aller au travail. Je dis toujours, d'ailleurs, si j'étais millionnaire, je continuerais à prendre des gardes ici parce que j'aime mon métier et que je m'y sens très bien. Du coup, je tombais au moment où bah, c'était plus calme l'hiver, hein, alors que l'été, là, c'est vrai qu'on a un peu plus commencé à faire un peu plus d'urgence. Et ça, c'est des pathologies qu'on ne voit pas en cabine à Marseille. Où je sais que mes amis ont souvent une vision très négative de la médecine libérale en se disant que c'est beaucoup du renouvellement d'ordo et des bons de transport et de la vie de spécialiste. Ici, faire des points facilement, alors que ça, c'est des gestes un peu techniques qu'on ne fera jamais en bas. On a une activité de secours en montagne, qui est en fait qui est articulé autour de deux entités, nous qui assurons la médicalisation de ces secours en montagne et nos amis gendarmes, c'est eux les vrais professionnels de montagne, nous ne sommes que des amateurs éclairés, ils nous sécurisent. Donc aujourd'hui, le mode de travail, c'est chaque médecin qui a son cabinet et dans un espace qui n'est pas vraiment adapté. Or, ce que veulent aujourd'hui les nouveaux praticiens, et on peut le comprendre, c'est travailler en équipe. L'hiver à la campagne, c'est compliqué, et eux, ça fonctionne bien. Ce qui fait que ça tient, c'est qu'on a bossé en équipe. Et je pense, et on en a parlé avec Pierre, c'est vrai que le fait de faire des staffs hebdomadaires, de tout ça, de se retrouver, d'avoir des moments communs,
ça change complètement les choses parce qu'effectivement, je pense qu'isolé dans un cabinet avec le fait que bah, la campagne, il y a un certain isolement, ça change l'effervescence de la ville. Je pense qu'on ne tient pas. L'avantage de l'exercice coordonné, et notamment des maisons de santé, c'est que là, les médecins, ils sont ensemble, en équipe. Donc, s'ils ont un problème sur un dossier médical, eh ben, ils vont taper à la porte de leurs collègues. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, je vais embêter. Et puis, ils ont l'infirmière à côté, puis ils ont la diététicienne, et puis ils ont le kiné, puis ils ont tous ces intervenants qui font qu'à l'instant T, quand ils sont embêtés avec le patient, ils ont tous les outils pour essayer de répondre au mieux à la prise en charge du patient. Et ça, c'est important parce que quand vous êtes tout seul dans votre cabinet, que vous avez le patient, rien de souci, que vous commencez à prendre le téléphone, que ça ne répond pas, ou qu'on vous dit vous rappelez demain, quoi, et ça, c'est dramatique, quoi. Voilà, donc je crois que c'est créer cet environnement qui permette aux médecins de pouvoir avoir toutes les bonnes conditions pour bien travailler dans un environnement agréable et pouvoir bien prendre en charge les patients. J'ai envie de dire, venez, ne serait-ce que 6 mois, et venez, vous verrez.